Re YouTube, ouais, lol. Ouais, lol, voilà. J'espère que ça t'a plu. Du coup, attends, juste à côté. Je l'ai tué les trois clochards. Aïe, aïe. Est-ce que quoi? Ah, mais il y a une voiture. Pourquoi est-ce que je peux pas recharger? Une balle? J'ai encore 400 balles dans mon chargeur. J'ai volé un véhicule. Oh, dégage de là! Oh, trop bien! Ok, mec, tu vas pas en revenir. Quoi? Bah. Appelle-moi Raiden. Oh, je suis contre un artificier lourd qui n'a pas compris que un mur ça protégeait des flammes. J'arrive. Oh, c'est toi aussi. Il manque rien, gouache. Oh, attends, est-ce que t'es prêt? Je pense que t'es pas prêt. Oh, on peut récupérer des pièces là-dessus? Je sais pas comment ça marche. Ah attends, il faut peut-être aller le mettre là. Non. Oh, c'est une si. Pièce. Du coup. Alors est-ce que ça marche sur le. Non, ça marche pas sur le. C'est sur le baroudeur. Ouais. Baroudeur. Bobine Tesla en arme principale, ouais. Pas tourelle. Bon, je vais rester sur mon cyclone. Booster ouais. Enflammé. Après une poussée initiale importante, il est conseillé d'utiliser ce booster à forte consommation par à-coup. Okay. Je regarde ce que ça donne. Je vais te dégoter un truc qui tabasse. Tape dans les pneus et tape où tu veux. Ah oui. Joué par un spectateur brutal, oh. Rien de moins. Vous feriez mieux de lui ramener son compte très vite. Ça c'est un truc Twitch, je pense. De quoi? Il y a un brutal, je sais pas quoi, invasion d'un brutal. C'est à vous de jouer les viewers, vous devez avoir un truc, je pense. Ennemi repéré. Loin. Sword crash. Y a Tribal qui nous agresse. Non, je pense que c'est Tribal qui le contrôle. On va en faire une chance. Enfin, qui peut le contrôler. Je sais pas. Je vais me le faire. Ah, c'est écrit en haut à droite, régénération, je sais pas quoi. Je crois qu'il a une régène. Ouais, il a une régène de fou. Une régène de bouclier de malade mental. Oh, je lui mets des headshots de fou. Yes! Jeu de main, jeu de copain. bien joué les viewers. Mais ça sera pour une prochaine fois. Non, mais c'est pas mal du coup, je trouve. Ouais, c'est sympa. Et du coup, comment ça marche? Dites-moi parce que ça m'intéresse. Je suis pas sûr qu'il ait fait exprès. Non, mais il y a eu un vote pour un truc, donc c'est qu'ils ont. Attends, j'ai passé mon level. Il y a un raw burger. Hé, hey, l'ami! Un raw burger? Un robot burger. Ah! Il y a des votes pour des buffs, ok. Bon, là, il était pas trop fort, mais. Bah, en fait, en toute la durée de la régène, il est imbutable. Tout simplement. Si, moi je lui mettais des headshots au sniper, donc ça lui retirait pas mal, mais après ça remontait assez. Moi, chaque fois que je tirais dessus au contact, du coup avec les dégâts le plus haut possible, en fait il régénérait tout son bouclier juste derrière.
Ok. C'est là qu'on s'amuse. C'est un combat de test. Montre-nous tes compétences. Je vais t'observer. Après vous. Oh, merci, gentleman. Ah. Beau, hein. Ça ressemble vachement à une arène. Ah, oh, on dirait Shredder. Non, non, l'autre. Attends. Non, c'est Shredder, ouais, qui a. Non, c'est pas Shredder, c'est Crank. Crank, c'est ça. Cerveau cosmique. Non, c'est Sylvain Durif. Oh, très bien. Comment ça pas avec des armes? Les armes ne font pas mal de dommages, ça a l'air de bien marcher. Merci, les amis. Il a dit parle avec tes armes. Ah, parle. Oh, ouais. Pauvre débile. Oh, il me lâche un légendaire. Ouais. Un bouclier, mais il est moins bien que mon actuel. Un pistolet. Quand vous taclez un adversaire. Si on m'avait dit que la mort faisait autant de dégâts. Ouais, c'est il a de la gueule en plus. Je vais le vendre. Oh. C'est quoi ça? Stylé. C'est, mon... c'est le pistolet légendaire que j'ai eu. Là il y a stylé. Un pont bleu. Je ne le vois pas. Non, je dois le passer. Ça, j'ai que du vert derrière. Je... Bon au moins j'ai eu un légendaire mais... Oh il y a un coffre d'armes là-bas. Regarde ce trésor. Ah, mon pompe est mieux. Tu peux le prendre aussi. Merci. Encore de la pure magie EcoCast. Bonjour, spectateurs. Un pont. Vous allez peut-être gagner mais la je pense qu'il est pas ouf, fort. Ouais, moi, j'ai eu un fusil d'assaut. Et j'ai eu aussi un Dameco. Bon, j'ai ramassé le cerveau, du coup. On va y trouver les données fraîchement traitées et ses derniers mots. Oh, j'ai touché pire. Retourne à la base. Envoie les données à Rhys. Je repars tué. Et, chasseur de l'arche, tu as mérité ce nom. Je te souhaite bonne chasse. Je savais pas qu'il fallait le mériter. On a l'aval de zéro. Retirer la cervelle de mon cerveau cosmique? T'en avais marre de te faire piétiner, c'est ça? Je comprends. Un jour, mon père m'a dit que j'étais en 12e place pour diriger la société. Alors, j'ai fait 11 petites coupes sur notre arbre généalogique, et maintenant, tout me revient. Pense bien à ça, maintenant que t'es sur mon chemin. Abandonne ta roue. Ah oui, c'est vrai que j'ai ma roue. Ah! Non. Un véhicule. Chasseur de l'arche, tu sais ce qui est encore plus cool qu'un booster? Un putain de triple booster! Chope-moi cette belle caisse là-bas, juste derrière la barrière! Oh, yeah. Et il y a un spectateur qui a gagné un item. C'est cool. Cherchez parce que je voyais un câble, mais je suis pas sûr que je suis si, bon. Attends. Continue là. Que... Allez. Là. Ah ah! Et là c'est électrifié du coup. Continue. Tiens, il y a un générateur. J'ai aimé des fois qu'il faille se mettre dedans pour Il y a un robot burger. Ouais, mais c'est parce qu'ici il est coupé. Et si. C'est bon, j'ai trouvé un truc. Quoi?
Ah ouais, bien joué. Bien... Ouais. Et ici aussi. Putain, des génies. Le mec, 200 IQ. C'est trop marrant parce que c'est quand même vachement bien calibré entre les coupures de câbles et les trucs. Parfait, bien joué, chasseur de l'arche. Maintenant, conduis-la jusqu'à la station Autolock la plus proche. Attends, elle est où la station Autolock la plus proche? Ben, là où on a spawn. Ça doit pas être par ici. Non, derrière, à gauche. Derrière, à gauche, pareil. Alors, les freins ne fonctionnent pas bien sur cette bécane. J'ai jamais rien vu d'aussi rapide de toute ma vie. Tu vas pouvoir faire des pointes de vitesse complètement ouf. Chope-toi ça et booste à fond. Ok. Et du coup, attends, parce qu'il y avait ce qu'on avait vu, là, l'histoire de courrier. Parce que j'avais vu, du coup, une arme ici, classifiée par le 1, suite au rapport de réussite relatif à une conduite exemplaire au combat. Merci pour ce que tu as fait, c'est Moxie qui me file un truc. Ouais, j'ai aussi un pendentif d'armes. Ouais, j'ai aussi. Au total, et j'ai 4 trucs. Moi, ouais, il y a Dal qui m'a donné un sniper et 2 SMG aussi. Ah mais moi c'est Torg, tu crois vraiment que Torg il va me féliciter pour utiliser correctement ses armes? Alors, je vais garder hein, ses armes. Ça c'est Autolock. Ah, c'est mon bien. On a des belles mécaniques. Ensuite... Et les caisses sont pas mal non plus. C'est mon bien. Et ensuite... C'est moins bien. Bah yes. Et un pendentif du coup. Merde. Je me suis coincé dans un mur. Foutu. Je suis allé trop vite avec mon pneu et je me suis à moitié coincé dans un mur. T'as besoin d'aide ? Non, c'est bon, j'ai réussi à me décoincer. Le boost est un poil trop puissant. Allez. On peut vendre des choses. Voilà. Attends, pourquoi tu sens la cervelle et des circuits grillés? Tu sais quoi? Je préfère pas savoir. Appelle Eris pour lui dire que le boulot est fait. A plus, on sort de l'arche. Bah, elle est conne. J'avais un truc comme ça à une époque. Elle le sait pas. C'est ma dernière Oh, eh ben d'accord. Si je peux aider... On n'a jamais assez de santé et de bouclier. Achetez-en dès aujourd'hui. I am ready. Ok. Hey, chasseur de l'arche, t'as trouvé les données de cerveau cosmique? Donne-les-moi. Ouais, je les ai. Mais je te donnerai rien si tu nous aides pas à ouvrir l'arche. Ah, ouais, ça. Non, c'est juste que je suis pas mal occupé avec cette histoire d'invasion. S'il y avait pas ça, on foncerait vers ton arche. Mais il faut bien que je m'occupe de ma société. Tant pis pour toi. Je vais voir jusqu'où je peux lancer un cerveau humain. Mon record, c'est 21 mètres. Attends. Très bien. J'ai reconstruit Atlas en partant de rien. Et je suis prêt à tout pour empêcher Maliwan de me voler ça. Je jure sur l'avenir de cette société que je t'aiderai à trouver et à ouvrir ses marches. Ça ira bien comme promesse, recrue. Tu peux lui donner ce qu'il demande. Bon. Bah c'est toi qui as le cerveau, c'est pas moi. C'est fou de voir Rhys se tortiller comme ça. Je t'es un sacré numéro, toi. Coucou, je suis juste là. L'hologramme capte tout ce que tu dis. Et il a un cœur, tu sais. Les affaires sont les affaires. Mode de classe, ça y est. Ah, il y avait vraiment tout là-dedans. Les mouvements des troupes, les ravitaillements, les données de terrain... Ah. On dirait bien que Maliwan cherche aussi des fragments de la clé de l'arche. Et ils ont des pistes. Une planète du nom de Athénas. Athénas. Parfait. Chasseur de l'arche, reviens sur Sanctuary. Super.
On fait comme ça. Terminé. Ok, donc toi tu croises une grosse société qui se fait piétiner la gueule par une société plus grosse et bien plus cool. Et toi ce que tu dis c'est, je vais suivre le naze à la moustache. Non mais merde, fais un effort super fan. Toute cette merde avec les arches, ça nous fait faire un paquet de vues. Mais ça a une fin, parce qu'à un moment, tu vas mourir. Alors, essaie de faire durer le plaisir. En te trouvant de meilleurs alliés par exemple. Je dis ça comme ça. À plus. Quelqu'un aurait des munitions? J'en ai plus. Je crois que je vais pleurer. Ils ont pas été chercher loin le nom, hein, par contre. Oh, mais... je déconne. Athénas. Bah. Fan d'inspi, hein, à mon avis. Ils se sont dit, on va mettre ça en random pour le moment. Et au bout d'un moment, ils ont complètement oublié. Et du coup, on a enfin les modes de classe. Yes. Cette guerre n'en finit plus. Où est-ce qu'il y en a des bons? Attendez, on parle de quelle guerre déjà? Moi j'en ai pas. Il m'en vend pas cette fois. Non, ils sont pas ouf. Dans ceux que j'ai pris. Heureusement que vous êtes avec nous. Y'a rien de ce que j'ai monté comme par hasard. Mais... et du coup. Ok. Bon, écoute, on va voir. Je vais vendre le reste. Bon, attention. Je montre pas ça à n'importe qui. Vous voulez vraiment pas un avoir à la place? Ok, allez à Sanctuary. Après toi. Ouais, on peut choisir où se taper dans Sanctuary. Bah sur le pont, hein, tant qu'à faire. Ouais. Oh, comment ça marche? Ah non, c'est là. Impossible de voyager quand un joueur est dans le menu. Mais parce qu'on oh, est dans le menu. Putain. J'ai tout ça parce que j'ai fait une émote. Un bon jeu. On va se battre à la régulière. Non. Retrouve-moi sur le pont quand tu voudras, recrue. Ok. Bah déjà, je vais dans ma chambre. Oh, c'est quoi ça? Récupérer le butin perdu. Ah oui, c'est vrai. Oh. Ah bah tiens, un mode de... Et où? Alors je rentre pas parce que c'est ta chambre. là. Viens. Merci, merci. Je peux mettre des décos, oui. Butin perdu, il me lâche un pompe qui est mauvais. Et un sniper. Attends, tu le poses devant ta chambre. Putain, j'ai encore une déco, mais j'ai plus de crochet. Ouais, mais cette déco là, elle est nulle. Celle-là est pas beaucoup mieux, mais bon. Un sniper. Ok. Direction le pont. Direction le pont. Ah non, pas par là. Ah pardon. J'ai aimé des fois qu'il y a un écho qui soit apparu. Ah on a toujours pas trouvé le mien d'ailleurs, moi je dis ça. C'est un peu raciste, mais bon. Wesh. Alors, c'était comment, Prométhée? Super vie nocturne, des tas de cratères. Mais Atlas est en train de se prendre une raclée. On aidera Rhys quand on pourra, mais pour l'instant, il faut qu'on aille sur Athénas. J'ai une amie là-bas. On verra ce qu'elle pourra nous dire. Claptrap,
ouvre un canal vers Athénas. Nom de code, Saphir. Et ça s'ouvre. Est-ce que tu m'y sur... Est-ce que c'est Athénas? Moi j'aurais dit Maya. Ouais bah... C'est ça. Je tombe mal? Ouais, un peu. J'imagine que c'est pas un hasard si t'appelles pendant que Maliwan détruit notre monastère. Alors écoute, j'ai pas le fragment, mais je sais où il est. Eh, rapide vite si tu veux pas rater la fête. Et par fête, j'entends l'occasion de te faire défoncer par des hordes de brutes. Maya, elle devrait survivre jusqu'à ce qu'on arrive. C'est une sirène et elle est plutôt douée en plus. Qui sait, on pourra peut-être la convaincre de se joindre à nous. C'est vrai que ce serait utile d'avoir une autre sirène à bord. Je veux dire, en plus de vous, Lilith, je ne vous mets pas sur la touche. Ah, plus de zouz sur le vaisseau de l'amour de la Claptrap. Quel connard. Tous les yeux sont rivés sur Claptrap. Et paf. Mets le cap sur Athénas, chasseur de l'arche. C'est à toi qu'elle parle. Ouais, mais du coup, alors... Déjà, il y a Tanis qui donne une casse, donc on va la prendre. Tanis commence à être à court de seringues. Il va falloir se mettre au recyclage, fouiller le vaisseau et trouver, lui, des seringues usagées. Je commence à manquer de seringues. Il semblerait que les primates imbéciles qui peuplent ce vaisseau se soient mis en tête de me voler mes seringues et de s'en servir pour... Dieu sait quoi. Je commence à en manquer, et j'en ai besoin. Par exemple, il y en a une qui est plantée dans Claptrap. Ouais. Regarde. Putain. Oui, bon, là, pourquoi pas. C'est vrai que Claptrap l'a bien mérité, mais il est loin d'être le seul, si je suis honnête. On était tellement okay. Nombreux. Et puis aussi, au passage, là, on pourra aussi prendre des... Comment ça s'appelle? Des améliorations de munitions ou des canons du genre. Effectivement. Oh, ici, il y a des gens qui ont joué aux fléchettes. Avec une seringue. Et où? Juste de l'autre côté ici. Effectivement, bien vu. Il joue aux fléchettes avec mes seringues? C'est inacceptable. Qui plus est, tout le monde sait que les jeux sont réservés aux simples d'esprit et aux jeunes effrontés. Ici. On va directement voir dans son bureau. Rien là. Ah, peut-être que le vendeur là il a un mode. Non, pas des seringues, hein, mais. Mais pourtant, un docteur. Un billet pour une danse? Un billet pour une danse? Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. Oh, c'est bien, ça fait visiter le vaisseau. Ah, j'ai trouvé mon journal écho. Il était où? Ici. Y a un truc. Et mange ça. Zay, attends. Barnabus, vieux tas de fumier. Alors quoi? On vient m'assassiner? C'est qui t'envoie? Non, attends, laisse-moi deviner. Hyperion? Non? Le bloc d'obsidienne? Pangolin? Hephaestus United? Maliwan? Barnounet, je chauffe ou pas? Faut me dire, hein? Ok. Tout cela est... Cutlord Carou! Cutlord Carou? Merde alors, ça fait des plombes que j'ai pas bossé pour elle. Je vais crever! Ah, tu vas t'en sortir, Barnounet. Si je te retire pas dessus. Ah, purée. Mais c'est pas passé loin. T'as failli m'avoir. Oh, tu le penses pas vraiment? Si, bien sûr. Sincèrement. Mais là, je crois que je vais faire profil bas pendant un petit moment. Ça fait des années que je me sens obligé de surveiller mon ombre. Je peux même plus boire un coup tranquille. Et c'est... Pandore. Pandore? Je dirais pas non, tu vois. Pourquoi pas, après tout. Merci, Barnounet. C'était sympa de prendre des nouvelles. Si tu meurs pas, on se prend une pinte la prochaine fois que je passe dans le coin. Ce serait... cool. On s'y est mort. Ils ne peuvent pas trouver un autre moyen de se divertir.
Ouais, il y a des trucs à inspecter ici. Des trucs à inspecter. Ah, c'est des trophées de chasse. Ah. D'accord. Là, celui que, sur lequel, enfin, devant lequel t'étais, c'est écrit Phoenix. Combattre un phénix, ouais. Note. Ok, bon, on a fini ce premier étage, j'ai l'impression. Non, on n'a pas fait l'autre côté. Bah, c'est là où il y avait... Ah oui, c'est là où il y avait les fléchettes. Ouais. Effectivement. Alors... Donc là, c'est le début. Là, tu peux aller voir chez Moxie, je sais que t'en meurs d'envie. Chez Marcus, y'a rien. Il les a vendus très certainement. Chez Moxie, il y en a une qui est juste posée sur le bar. Vas-y, prends. Est-ce que ces hommes des cavernes ne comprennent pas que j'ai besoin de seringues dans mon laboratoire pour pouvoir travailler? Sinon, comment veulent-ils que je transporte mes divers liquides d'un endroit à un autre? C'est incroyable. Ah, j'en ai une juste ici. Vas-y, vas-y. Oh, magnifique. Celle-là a servi à dissimuler de la pornographie bas de gamme. Les notions puritaines de sexualité sont des vestiges du passé. Alors, ça masquait un poster de Ellie. Ah, il y en a un là, sur la télé dans le garage de Ellie. Pourquoi est-ce qu'on reçoit encore des transmissions par antenne? C'est archaïque. Il faut vivre avec son temps, bon sang. Il y en a une sur un... comment dire une pompe à essence. Okay. Près des quartiers. Où l'avez-vous trouvé? C'est incroyable. C'est incroyable. Par contre, ce qui est con, c'est qu'on n'a pas le nombre. Bah, remets ta... Si, 7 sur 8. Ah, mais elles sont indiquées. Oh, c'est moins drôle. Mais du coup, logique, ouais, dans les quartiers. Attends. La dernière, elle est en haut là-bas. On a dû passer à côté sans faire gaffe. Merde. J'ai glissé, chef. Ah oui, elle est là-bas. Tiens. Regarde. Mais enfin, comment est-ce qu'elle est arrivée là? Je crois que vous n'en trouverez plus d'autres après ça. Rapportez-les-moi que je puisse continuer mon travail, chasseur de l'arche. Entre nous, je me demande parfois pourquoi vous acceptez tout ça. Même si je dois bien avouer que ça me donne accès à une quantité d'artefacts éridiens, ainsi qu'à bon nombre de cobayes. Ah oui, pardon. Je suis censée les appeler des patients. C'est l'un des meilleurs stockages disponibles sur le marché. Alors je peux enfin me remettre au travail. Merci de votre aide. Et si vous croisez encore quelqu'un qui m'a volé des seringues, abattez-le. Allez, au plaisir. Euh... 9000 après. Moi, tout ce que je dis, c'est que si t'améliores pas ton stockage, bon, tu vas du coup direction Athénaz. Et il n'y a plus rien. Attends, est-ce qu'il faut regarder... Ah non, c'est vrai, tu voulais augmenter les modes... Bah là, j'ai augmenté mon méthode, enfin mon nombre de munitions. Je regarde surtout par zone, parce que dans les environs de Méridien, donc là... Dans... Sur Prométhée, il y avait donc le truc avec le... avec Queen. Et il y a l'autre qui s'était envolé avec les chiottes qu'il fallait retrouver aussi. Ah, tu veux finir ces quêtes-là avant? Bah, tant qu'à faire, parce que là, tu vois, c'est niveau 13-14. Allez, je vais d'abord voir... Mister. À voir. Dans les environs de je sais plus quoi, où il faut aller. Je suis con, moi, je vais voir Earl, alors que c'est pas lui qu'il faut aller voir. Eh oui.
pas changé. Le réflexe, hein. Alors attends, que je me trompe pas. C'est à droite, hein. Je m'ennuie. Comme d'habitude. Ouais, c'est là. Un voyage rapide pour aller à l'arrière du vaisseau. Qu'est-ce que t'as oublié? Bah non, c'est pour aller à la station de voyage rapide. Mais comment on change de zone? Alors, qu'on fait vue orbitale. Ah voilà, Prométhée. Environ de Mérine. Ok. Moi je suis prêt pour lancer le voyage si tu veux. Je réfléchis une seconde. Ok. Je pense que ça va pas être trop long. Bah déjà celui avec les chiottes, ça doit être la fin juste. Ouais bah ça va être le retrouver et sans doute lui latter la gueule aussi. Bon je pense pas. Peut-être retrouver son cadavre. Combattre le robot chiotte. Hey. Citoyen, ce fécapode a été installé illégalement sur un véhicule moto. Oui. Adieu, citoyen. Nettoyez Prométhée. Attends. J'ai lâché une arme. J'allais un peu défoncer ton cyclo, machin. Ok. Donc il a lâché un fusil à un lance-roquette. Ok. Pour toi. Qui a l'air nul à chier. Je tiens à le préciser. Et du coup la quête c'est. Je le testerai plus tard. Bon, par là. Par ici. Ouais. Je sais pas, je. Par ici. C'est toi le maître de la map. Changer deux armes rapidement pour tester. À place de toi, je vais prendre toi. Oh, faut que je change des touches. On va déposer les enfants à la piscine alors. C'est un flingue qui parle. Ah, oh, c'est insupportable. Et qui tire du caca. Ça, c'est cool. C'est un lance-roquette qui tire du caca. Alors. Et qui te parle? Si nos infos disent que le scientifique est là, c'est qu'il est là. Cherche encore. Ok. Merde, c'est lequel que j'avais. C'était ça. Parce que le lance-roquette qui tire du caca, c'est bien gentil, mais je vais faire sans. Ou alors rouler dessus. J'ai vu. Ramène le guacamole. Bon bah, je vais rester
planqué là, pour toujours, jusqu'à ce que je meure de faim. Vas-y, à toi, Rina. Je toque. Allez-vous-en, enfoiré de Maliwan! J'hésiterai pas à rester enfermé dans ce placard toute la vie, avec des crottes de rats. Et qu'est-ce que c'est que ça? Queen, pas de panique. Lorelai m'envoie prendre de vos nouvelles. Lorelai? Ah oui, la dame d'Atlas avec les flingues et les cheveux. Ok, je sors de là. Oui, c'est elle. Oui, oui, j'ai promis à Lorelai une arme incroyable que seul un génie de ma crampe peut mettre au point. Une grenade pour pirater les Nogs. C'est pour ça que Maliwan me traque. Bien, par ici, je vous prie. Oui, il a un casque de VR sur la tête. Il me reste juste quelques effets sur les Nogs et la grenade pirate Nog sera prête à l'emploi. Quoi? Où sont mes Nogs? Ils ont dû s'échapper pendant l'assaut. Si je veux pouvoir finaliser cette arme, je dois les récupérer. Heureusement, j'ai un plan B. Mais je vais avoir besoin de votre aide. Je vous numérialise un véhicule spécial. Allez le chercher. Chou. J'ouvre le truc ou... Ouais, vas-y. Oh! Un vieux sniper blanc. Oh bah, je pense que tu vas être content. Comme d'hab, hein, je chope des armes, mais pas pour moi. C'est Torg, c'est doré. Oh! C'est un bazooka. Fend le ciel. Je vous ai dit d'aller chercher ce véhicule. Ce véhicule est équipé de. Fus scientifique spécial. D'accord, il s'envole en fait. La mission s'envole. Ils ont pris la fuite via une technologie de numérialisation complexe. Oh, ouais. Une technologie que je n'ai pas le temps de. C'est-à-dire vous expliquer. Que. Regarde. J'ai tiré là devant toi. Mmh. Ah oui, d'accord, ok. La munition s'envole. Non, mais. Ah, je dois monter avec toi. Oh là là. Oh mon. Ok. On va. C'est où là? D'accord, c'est un. C'est ça que je dois lancer sur les. Ouais. Sur les nugs. T'as pas de boost hein, là-dessus. Ah, ouais. Oh. Déjà, ça c'est un nug. Une grande famille! Ouais. Et un nug dans la voilà. Besace! C'est bien parti! Ça a tout le bas de caisse. Ouais, bien joué. Cette arme, elle fait des dégâts monstrueux. Alors attends, l'autre... ok. Ah par contre, c'est une plaie à conduire. Ah bah là, c'est un camion Ben que tu conduis. Et deux, plus qu'un. Bricoler leur combinaison pour y ajouter des améliorations de façon à créer mes propres Nogadors de combat. Venez me rejoindre à ma console dès que vous le pourrez. Tu vois, c'est pas un bureau, c'est une console. Regarde, il est dans un... Il est en VR tout le temps. Ouais. Je vais vous expliquer le fonctionnement des Nogs. Leur casque remplace l'environnement par une réalité virtuelle augmentée, de sorte que ces imbéciles ont l'impression d'être dans un jeu vidéo. Et on peut pirater le système pour qu'ils prennent leur allié pour des ennemis. Attention. Pas moi, c'est le barrage. Tout ce que j'ai à faire, c'est reprogrammer leur protocole d'identification de l'ennemi pour qu'ils ciblent Maliwan plutôt que nous. Bien, je vais préparer le système d'acheminement des Nogs. Les paris sont ouverts! Amateurs de combat! Attention! Ça va! Oui, bon, écoutez, je n'ai absolument pas reprogrammé des Nogs pour les faire se battre en poussant les gens à parier.
ce serait indécent. Appuyez sur le bouton pour faire entrer le premier Nogador dans l'arène. Bon, bah je vais appuyer. J'observe. El Fuego. Surnommé El Fuego. Un og capable d'utiliser les flammes. Tout le monde aime les flammes, pas vrai? Oh, c'était pas du tout prévu comme ça. Un problème avec son amélioration, je suppose. Mais tant pis, il nous en reste deux. Faites entrer le suivant. Tu veux le faire? Oh, c'est bien. Conducteur. J'appelle celui-ci le conducteur. Aussi puissant qu'une tempête électrique. Bon, d'accord, ça n'a pas marché non plus. Ça va faire pareil avec le dernier, avec le corrosif. Laissez-moi juste une seconde. Non, le dernier va se retourner contre nous. Ou alors il va tomber à travers la grille. Faites entrer le dernier. Ou alors il va s'en prendre à Quill. Je te baptise Nogador Maximo. Plus qu'à espérer qu'on le perde pas lui non plus. Vérification des systèmes. Le piratage a fonctionné à merveille cette fois. Le Nog va se retourner contre ses alliés. On va se faire attaquer comme par hasard. Et juste à temps d'ailleurs. C'est l'alarme de périmètre. Maliwan revient me chercher. Retenez-les pendant que j'envoie les plans de l'arme à Lorelai. Pouvoir tester ma nouvelle arme. Je vous envoie les plans de numérialisation. Quill, ravi de vous entendre. Ça arrive de mon côté. Transfert des données en cours. Retenez-les. Ils sont où? Merde. Ouais, c'est sympa, mais c'est pas non plus la folie. C'est la fin pour toi. Les tonnets se transfèrent très lentement. Continuez à vous battre. Il fait du surf, là. C'est parti. Dégagez, je fais le boulot. Oh. Le conseil de reculer. Un gros truc. Je crois qu'on peut le détruire. On peut lui faire des dégâts. Mais ouais, il est déjà en train de se barrer. Air tanky de ouf. Transfert terminé. Passe à travers. Ah. Je l'ai. Merci Quill. À charge de revanche. Ouais, je m'en souviendrai. Chasseur de l'arche, prenez un de ces modes de grenade. Ce sera ma façon à moi de... Comme vous savez, vous remercier de m'avoir sauvé. Elle reprogrammera les dogs pour les rallier quelques instants. On peut défoncer des DD. Il a mis quoi comme buff? Oh, il y a pas beaucoup. Il vient de mettre régénération. Oh, le bâtard. J'ai attendu le dernier moment. On peut l'avoir. Yes. Boum. Chef des DD. Mais c'était pas mal de le mettre au tout dernier moment. Pas jeune. Ah, est-ce que c'était voulu de le mettre au tout dernier moment? Je sais pas, ça c'est... Est-ce que c'est la latence qui a fait que... Écoute, tiens. Ma foi, je prends plutôt. Je crois que notre collaboration peut prendre fin et que mon statut de génie reste incontestable. Quant à moi, je vais continuer mes efforts de reprogrammation des Nog. Les gens du coin ont besoin de parier sur quelque chose, après tout. Enfin, je veux dire, pour l'effort de guerre et tout ça, oui. Voilà, allez, filez.
Oh, il y a une grenade où ça envoie des nogs. On vient de gagner. Ça envoie des nogs. Ouais, pendant, c'est écrit pendant 12 secondes, il y a un nog qui combat. Ça marche pas du tout. Alors faut le lancer, mais ça marche que contre les nogs. Du coup, c'est nul. Oui. Triste. C'était quoi que je... Qu'est-ce qu'il nous reste comme mission ? Bah juste la mission principale.